Capricorne. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Waouh. Incroyable. Ici Dame Live. Nous sommes le mercredi 13 juin 2018. Et après cette petite session sympathique sur Nex Machina, tu es dans le titre du stream. Ouais, bon, bah écoute, hein, on essaie de faire les choses. Hein. Après une petite session, du coup, on a switché sur Isaac Afterbirth Plus. Je joue sur PC à la manette Xbox One Elite. Et juste avant d'annoncer mes partenaires, il y a quelque chose que je voulais faire, bien sûr. On a testé un nouveau système de sondage qui marche plutôt pas mal. Et en fait, ce que je voulais faire... Salut Monza, bonne année, les pyramides, tout ça, le 91. Ce que je voulais faire, c'était un sondage pour voir avec quel perso on allait jouer. Alors, quel perso aujourd'hui? Alors, je vous propose Isaac, bien sûr, un classique. Je vous propose... Y a qui d'autre comme personnage dans ce jeu? Attends. New Run... Isaac... Ah, Kane, on n'est pas allé très loin, mais c'est vraiment de la saloperie, Kane. Ah, un petit Azazel. Azazel ou Kane? Allez, je vous propose ça. Un petit Isaac, Azazel, ou un petit Kane. Allez-y, votez. C'est à vous de décider avec quel perso nous allons jouer aujourd'hui. Tapez 1, 2 ou 3 dans le chat. Moi je suis team plutôt classique. Et en tant que team classique, moi j'ai envie de jouer avec Isaac, donc je vote 1. Voilà. Allez-y, votez. Avec quel personnage on joue à Isaac Afterbirth Plus aujourd'hui? Je précise bien qu'on est sur Afterbirth Plus et non pas Rebirth, hein, attention. On va mettre une minute. Comme ça c'est express, hein, comme vote. Voilà. 37 secondes. Dirty Sanchez. Voilà. Quel pseudo. Salut à Sultan BLB. Bienvenue à toi. Incroyable. Ah bah ça y est, ça fait une minute. Allez, go, on arrête le pôle. Pof. Après une minute de vote. Et donc c'est Kane aujourd'hui avec qui on va jouer avec 40,9% des votes. Enfin sur 22 votes, hein, c'est pas non plus ouf. Eh bien c'est parti, du coup on est parti pour des runs avec Kane et on joue sur une playlist custom avec notamment en ce moment du Céleste. Allez c'est parti, bien sûr je remercie mes partenaires, hein. Les habituels, je vais même pas vous les citer tellement vous les connaissez par cœur. Voilà. À chaque fois je prononce ton pseudo, bah ouais, mais je prononce les pseudos de tout le monde tu sais, hein, quasiment tous. Alors pourquoi les gens ont choisi Kane? Je vais me rendre compte que c'est un truc horrible, c'est ça? Un truc classique. Ah, je joue pas sur le même écran que d'habitude, tiens. Ah, il est plus agréable, en fait, pour les yeux. D'un point de vue contraste, pour la bureautique, je préfère mon écran 27 pouces. Mais là, je suis sur un 24 qui est plus agréable, en fait. C'est Kane, lui, c'est ça? Salut, Tornado. Y a pas Léa Seydoux. Allez, je crois pas. Je crois pas. Allez, c'est parti. On joue avec Kane, un personnage connu parce qu'il a une clé. J'en sais rien, en fait. Pourquoi il est connu, Kane? Plus un range up, ouais. Ok. Le range, c'est quoi? C'est la distance? Non, c'est le nombre de boulettes. C'est quoi, le range? Kane est chanceux. Très bien. Kane est chanceux. Je vous propose d'aller directement dans la curse parce que c'est rigolo. Alors. Bon, ok, c'est pas si drôle que ça finalement. Ah merde! Bon, on se marre pas des masses en fait, hein. Allez, salut à tous, c'est Dame Dame Live. J'espère qu'aujourd'hui on va bien jouer. Très bien. Elle sub chose, Peter, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, soyons tolérants.
zigzag pour tous. Ok, ça. Le caca, la bombe. Ça, je vais le péter, mais juste pour déconner. Écoutez, moi, j'ai envie de faire un run full curse. C'est-à-dire qu'on se fait les curses de tous les étages, tu vois. Donc, du coup, ça va être chaud d'un point de vue vie. Mais, peut-être qu'on peut avoir des surprises d'un point de vue matos. Une clé, super. Franchement, cette game, je la sens bien. Est-ce qu'il a un Mac, Kane? C'est très drôle, j'approuve cette blague. Pourquoi pas, soyons tolérants. L'humour pour tous, voilà, c'est comme... voilà. Ah putain! Ok, très bien. Alors, ça a l'air mal barré, mais en vérité, si je joue comme ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu la palette d'étendue de choses qu'on peut faire avec, hein. J'aurais dû aller voir le boss directement. On va se mettre dans un coin. Il peut rien nous arriver ici. C'est moi ou le jeu rame du cul? J'ai l'impression qu'il rame. Non? J'ai l'impression que ça rame un peu. Ouais, ça rame complètement. C'était comme quand j'avais joué à je sais pas quoi. Bon bref, comme ça, je pourrais me servir de cette excuse si jamais je meurs très vite. Ça va être très long. Est-ce que son attaque traverse les cahiers, les cahiers, j'en sais rien, mais... Ah, voilà. Ah, merde! Ça va être très très long. Mais en plus, sa hitbox, elle est à la zob. Bon, vas-y, on bourre. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il était boring, ce mec! Super! Alors, je peux récupérer un cœur. Mais si je veux le récupérer, je dois perdre un cœur. Alors, que faire? Que faire? Alors, je peux tenter un truc. Super, ça servait à rien. Ah si, je peux faire ça. Mais c'est ça que j'aurais dû faire dès le début. Ah, je me déteste. Des fois, je me regarde dans une glace et je me crache dessus. Juste pour penser à quel point je suis vraiment qu'une sale conne. Très bien. Continuons le jeu, gardons notre respect, gagnons de la dignité. Tentons d'acheter sur internet un petit peu de respect. Constatons ce rocher marqué. Et puis surtout, voilà, restons calmes. Hein, dans l'ensemble. Restons calmes, regarde. Tu vois, c'est bien parti, regarde. Une bombe, ça, un cœur, voilà, c'est bon. La partie revient, c'est bon. Allez, c'est bon. Non, mais là, c'est bon. Là, c'est la partie, tu vois. C'est là que les choses se passent, tu vois. C'est un peu comme dans le 91, tu vois. C'est the place to be, tu vois. Ça n'a pas de rapport, hein, on est d'accord. Salut Shiva, comment vas-tu? Quel enfer. Quel enfer sur Terre. Je récupère un cœur. La chance repart. Que va-t-il se passer? Pourquoi tout le monde voulait que je joue avec Kane? Vous êtes cons, quoi. Ils sont cons, les joueurs, sur ce chat. Et pourquoi ce jeu ralentit, putain? J'ai pas une assez grosse config, c'est ça? Non, sans blaguer, c'est pas normal, les chutes de framerate, hein.
C'est marrant parce que j'ai presque l'impression que sur OBS, il n'y a pas les ralentissements que moi je vois. On est d'accord que vous, pour vous sur le stream, c'est fluide. Moi, j'ai des ralentissements du cul. Hein. Ouais, je suis vénère, ouais. Ouais. La loot box, le loot box coin est à 250$. Ah ouais? Ok. Quelle musique exceptionnelle. On reste calme grâce à ce jeu. Franchement, cet ennemi, c'est le 18e pire ennemi du jeu, quoi. C'est pour ça que je le déteste. Mais t'inquiète que je vais me stuffer. T'auras jamais vu ça. Je serai stuffé comme jamais. Ok, c'est bon. Super, une pile. À part me la carrer dans le cul, je sais pas trop ce que je peux faire avec. Avançons plus loin. Explosion et heals you. Je l'avais déjà pris celui-là, c'est plutôt pas mal. Ça me permet de péter des rochers marqués par exemple tout en gagnant un petit cœur. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette machine qu'elle aille se faire foutre. Ceci dit, je peux la bomber. Ah, attends, ça c'est pas mal ça. C'est assez inattendu. C'est assez inattendu. Je vais profiter de mes nombreuses bombes pour me les faire. Surtout que là, il y a un petit rocher marqué. Ah, la chance reprend. Small rock. Je l'avais déjà pris celui-là. Oh, pas mal, pas mal. Ok. Téléporte tout the boss room. Oh, vous me fatiguez. Vous me fatiguez avec vos stuff approximatifs là. Alors ça. Voilà, essayer d'optimiser les caca plus les pierres. Damage plus speed. Plus damage et plus speed pour The Quarant Room. C'est The Empress. C'est pas mal ça. Ah bah si, Néo. Bah si, j'avais oublié. Merci Olnalis pour le sub. Hey. Bonsoir à toi. Bon, je suis en live jusqu'à 22h environ. Hein. Peut-être plus, peut-être moins. Qui sait de quoi l'avenir est-il fait, cependant des fois. Elle ressemble à quoi cette map? À rien. Il n'y avait pas de rocher marqué ici. Hein. Il n'y avait pas de rocher marqué. Pourquoi ça rame du cul comme ça? Non mais c'est incroyable cette histoire quand même. Hein. Je t'attends. Ouais, salle d'objet ou pas? Et si j'allais mettre des sous dans la machine? Vu que je joue jamais dans la vraie vie à ça. Super! Bon, on se casse. Moi, je pense qu'aux machines à sous, si t'as pas tout de suite le jackpot, c'est qu'il faut pas tenter. Ah, un petit monstro. Un petit monstro plante. Putain, mon gars. Tu m'empêcheras pas d'avoir le visual deal. Nice-o. De photo, ok. Ok, le Guppy Blue Flies. Ça, c'est vraiment bien. Je rappelle que la puissance des flies est plus ou moins adaptée à la puissance globale. Alors ça, c'est quoi? Plus 1 Black Heart, when down to 1,5 Heart. Damage all enemies in the room. Bah, c'est pas mal, ça. Moi, j'ai envie de le prendre. Moi, j'ai envie de le prendre, je pense qu'on se met bien.
J'aime bien cette musique. J'écoutais ça il y a longtemps quand je me fonce des... Oh, c'était bien. Oh, mais ça arrive. La référence des monstres aux plantes, bah ouais, bien sûr. James. Ça, je le prends pas parce que ça marche pas. Et surtout que si... Ah si, je peux le prendre en plus du rock. Ouais, bon, bah... Ah ouais, alors attends. Ah, c'est toute une histoire. Un. Ok. 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 Ça passe. Alors, le problème, c'est que si je perds mes mouches sur des ennemis à la con dans ce style, les taupiqueurs qui ont des orbitales, elles sont merdiques. Allez. Orange. Il y a combien de vagues d'ennemis là? Orange. Dance. Le Guppy Blueflies, je sais pas quel est son ratio de sortie, mais je le sors quand même assez souvent. Téléport to the shop. Ok. Mais je vais pas l'utiliser tout de suite. C'est quoi Lord of the Fly Orbital that can charge at enemies? Mais c'est un familier ça. C'est pas mes tirs qui sont en orbital. Ah ouais, non, c'est ça. Il tourne autour de moi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Soyons tolérants. Un message d'amour pour toute une génération. Bon, sauf si t'es un peu trop différent. Là, par contre, faudra s'expliquer. Mais sinon... Pourquoi pas? La clé. Le guppy. Moi, je dis, la chance est en train de retourner. Quoi. Doucement, mais sûrement. Les gens parlent de mon build dans les catacombes. Désormais, ça se sait. Damnam Pamu Pamu est dans le coin. Donc, alors attends, ça servira à rien d'aller par là. Salut Kelly! Quand tu seras touchée, elle ira dégommer les ennemis Superfly. Ok. Pourquoi pas? On redescend, il y a une grande salle qu'on n'a pas faite. Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je joue à ce jeu en plein écran. Parce que d'habitude je joue toujours en fenêtrée. Sur mon écran 1440p. Ce qui est très bien vu que la résolution est très très bonne. Mais là du coup il y a des ralentissements, c'est bizarre. Parce que j'utilise le plein écran. Ah, mais c'est peut-être parce que j'utilise le plein écran. Ah, attendez, je pense savoir pourquoi ça rame chez moi et pas sur le stream. Alors attendez. Je vais faire ça. Option. Ah, mais je peux pas mettre le plein écran ici. Ah. Ah si. What? Pourquoi ça me le cale n'importe comment? What? C'est quoi le filtre? Ah, c'est pour avoir moins de pixels. C'est bien ou pas ça? Tu viens au Download Festival, je sais même pas ce que c'est. Mais j'ai l'impression que tu vas pas tarder à me dire ce que c'est. Le Download Festival? Ok, bon, on va pas toucher parce que si jamais je fais tout planquer, on sera pas rendu dans notre vie. Ah, les graphismes ils sont tout lissés, c'est bizarre. Il y a toujours les ralentissements. Hein.
Oh putain. Ah là là, qu'est-ce que j'adore jouer à des jeux en 30 FPS sur PC. C'est aussi pour ça qu'on aime bien les PC. Festival Rock Metal, ouais. Mais c'est où? C'est dans quelle ville? Layer of Fear gratos sur Steam pour une durée de limitée. À côté de Paris? Ah oui, non, mais alors, moi j'habite pas à Paris. Hein. Je sais que c'est très tendance, hein, quand t'habites à Paris, de... Comment dire... c'est très tendance quand t'es streamer d'habiter à Paris. Alors moi en l'occurrence j'habite à Montpellier donc c'est un peu compliqué. C'est assez rare que j'aille sur Paris. Ok. Pas mal cette musique, j'aime bien. Elle est pas trop agressive en plus. Alors... Qu'est-ce qu'on a par ici? Crossword Random. J'ai du mal avec les graphismes au lycée. Vous aimez bien, vous? Moi, j'aime pas. Ah, j'aime bien, moi, quand ça pixelle. Ah, j'aime bien les bons pixels. Ah ouais, mais tu vois, le Drago, en fait, là, c'est parce que je joue pas sur le même écran que d'habitude. D'habitude, je joue sur un autre écran. C'est pas la première fois que ça provoque des lags. Ce qui est curieux, c'est que chez vous, c'est fluide. Quand je vois le retour sur OBS, c'est parfaitement fluide. Ceci dit, je peux presque jouer sur OBS. Ouais, mais du coup, je perds le full screen, ça sert à rien, quoi. Cause one random item is a shop to become free. Ouais, mais quel item sera gratuit? C'est ça, le truc. Parce que si je le prends, je perds Guppy. C'est ça le truc. Et moi, si je perds Guppy, je vais mal le vivre. Bon, je vais mettre quelques sous. Ah bah ok, ça a été vite vu. Ah, il faut bomber le marchand, je crois. On m'a dit ça un jour. Ça augmente le chance de Devil Deal, c'est ça? Ah ouais, de plus 2,5%. Ah ouais, effectivement, c'est vraiment beaucoup plus de chance, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, on se casse. Ok. 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 Ah ouais, très bien. Je sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment je l'ai battu. Et absolument pas de Devil Deal, on est d'accord, on se casse. Ça va, la musique est pas forte? Pas trop forte, je veux dire. Bon, moi, je propose de se taper une overdose. Ça, c'est un ball of steel. Ah non, pas du tout. Bad gas. Ok. Fuck, fuck, fuck. Damage à tous les ennemis, ouais, et c'est beaucoup ça ou pas? Je sais pas, écoute, je prends et puis voilà, hein. Ainsi va la vie. Le cocaïne express, vous voulez qu'on se mette le cocaïne express après? On peut, hein. Il est bon, ce tronc, salut à toi. J'ai pas encore regardé tes runs, tiens. Tu préfères l'OST du jeu, ouais. Ah ouais, bah moi j'aimais bien au début, mais c'est vrai que le temps passant, voilà, les priorités de vie changent quelque part. Ah tiens, il y a une curse, on va y aller. Ça me paraît une très bonne idée. A plus, Shiva, ouais, ouais, carrément. Ouais. Bonne soirée à toi. Oh, regardez, c'est trop bien. Oh là là, le fun est absolu. Là, on est présentement en train de s'amuser beaucoup. On a gagné une bombe et un demi-cœur. ok. Bah, c'était pas ouf, en fait. Hein.
Mais une curse, c'est pas censé être bien? Je sais pas. Demain, c'est la Coupe du Monde. Ok. Mais la Coupe du Monde de quoi? De foot ou d'autre chose? Ah. Moins 67% de débil deal, super. C'est la Coupe du Monde de foot? Non, je sais pas, je me suis pas renseignée en fait. Alors, il faut savoir que sur Twitter, il y a des mots-clés que j'ai masqués. Et parmi ces mots-clés, donc il y a foot, football, footballistique, et il y a le nom de tous les clubs de foot principaux. J'ai absolument tout muté. Donc en fait, c'est normal que dans ma Twitter, dans ma timeline Twitter, si tu viens chez moi, Kelly, et que tu vois, que tu ouvres Twitter chez moi, tu ne verras personne qui parle de foot. Et bah c'est normal. Et c'est pas juste le hashtag, c'est vraiment j'ai muté l'expression, quoi. Si un jour tu parles, je sais pas, par exemple, même sans parler de foot, tu dis « Ah, tel joueur de la Juventus de Turin », tu vois, eh ben ça sera muté aussi. Non, j'aime pas trop le foot, non. Je pensais que ça se voyait sur ma gueule, mais... Pourquoi, t'es hypé, toi, ou pas? Il y a vraiment des gens qui suivent le foot, c'est pas une légende. Je comprends pas, en fait, moi, comment les gens peuvent aimer ce truc, quoi. Bon, après, il en faut pour tous les goûts, hein. C'est comme les jeux Disney, mais... Je sais pas. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre. Ouais, en réalité, 6-23, l'épée, c'est quoi? C'est la force ou le DPS? Premier match des Diables Rouges. Allez les Belges. Les Diables Rouges, c'est le nom des Belges, c'est ça? C'est tous les 4 ans, donc oui, t'aimes bien. Ah non, mais t'as le droit, Kelly, hein, c'est pas un souci. Je pense qu'au final, en France, à mon avis, vous êtes plus majoritaire à aimer le foot que pas, justement. Force et DPS, c'est pareil, d'accord. Hein. Vu le public que ça engrange... Voilà, moi c'est juste que c'est pas ma cam, mais chacun son truc, hein, encore une fois. Moi je suis plus... le seul sport que je suis sur internet et sur... quand il y en a à la télé, mais c'est assez rare, c'est plus tout ce qui est sport extrême. Bon après, voilà, hein, c'est... chacun son truc, hein, encore une fois. Hein. Je comprends les gens qui trouvent les sports extrêmes chiants et répétitifs, hein, c'est pas un souci. Les mots concernant le tennis? Ah bah non, puisque le tennis, personne n'en parle jamais dans ma timeline, donc c'est assez vite réglé. Oh, une petite salle d'arcade. Ah bah allez, c'est parti. Vu qu'on peut pas bourrer les dents, on va bourrer la machine. Ok, pourquoi pas. On utilisera Death contre un boss, peut-être. Ça, si je le bombe... Ouais, bah attends, on va le bomber. On peut récupérer, voilà, quelques pièces. Comme ça, le choc de l'étage en dessous, on se fera place. On topera un peu de matos. J'étais sûr que je me ferais avoir. Ouais, donc 6,23 en DPS, c'est quand même pas mal, quoi. Putain, il y a encore une machine. Mais... Ah, d'accord, on l'avait pas vu tout à l'heure. Ah, sachant que là, il y a un reroll. Alors, Single Use Duplicate Any Pedestals, c'est quoi ça? Pedestals? C'est un piédestal? Je sais pas ce que ça veut dire.
Moi, je serais plus pour Reroll. Alors. Deux soulves ou Black Earth en un raid, ça sert à rien. Ça, ça donne un familier qui ressemble à un random baby. Et son effet sera random à chaque étage. Qu'en pensez-vous? Je re-roll à la bombe? Bah, je sais pas, s'il me donne un familier, ouais, mais on peut pas savoir, c'est un random. Il y a des familiers, c'est vraiment de la merde. Ah! Plus une charge. Quand on se fait toucher, c'est pas mal ça. Ou sinon. Pedestals. Mais c'est quoi un pedestals? Will not be chosen from a random item pool. On pickup also drop once. Je sais pas ce que ça veut dire. Qui connaît? Qui connaît? Dites-moi dans le chat. Plus une charge. Moi, je serais plus d'avis pour prendre ça. Pédestal, c'est le nom des objets qu'on trouve. Ah, d'accord. Random. Donc, les items qu'on trouve dans ces salles seront choisissables. Item pouze. Ça va te faire pop tout et n'importe quoi. Ah ouais. Moi, je vais plutôt prendre ça. Et puis, s'il y a un petit cœur gris, je veux bien le prendre. A cone of light in front of him. Bah, c'est pas ouf. Hein. Damn, son, you just oh, merci. With the wow effect. Merci à toi, Eonalis. Merci pour l'argent. Ça faisait longtemps que j'avais pas participé. Bah, écoute, merci à toi, Eonalis. Ça fait grave plaisir. Merci beaucoup. Non, j'ai pas encore regardé la treasure room, justement. Je vais y aller avant le boss. Vu que j'avais un bon DPS, je voulais pas faire ça de suite. Attendez, je rajoute Eolnalis. 12e participant du coup, Eolnalis. Merci à vous. Donc c'est mon dernier collector Ni no Kuni 2. Et c'est sur PC, hein, je le fais gagner. Avec le tirage la semaine prochaine. Ah oui, et puis il faut que je fasse le concours RT Follow tout à l'heure. Ah oui, alors attendez, je vais vous spammer un truc dans le chat. Je compte sur vous pour faire un max de retweets. Non mais sérieusement en plus. Je refais un concours. Je vais moi-même retweeter. Copy the link. J'aime pas cette musique. N'hésitez pas à faire un dernier retweet. C'est dans un quart d'heure que je ferai le tirage. N'hésitez pas. Et merci encore à toi, Eonalis. Merci beaucoup. C'est grave plaisir. Ok, alors. Qu'est-ce qu'on a? Mom Charming Tears. Charming Tears? C'est quoi ça? Ah oui, du coup, les ennemis vont moins me. Oui, c'est ça. Les ennemis me tirent pas dessus quand ils sont charmés. Ils sont pas charmés, ils sont charmés. 23% de dévil. C'est pas ouf. C'est mieux que si c'était pire, mais... Oh, Fallen. Oh, putain. J'espérais encore avoir une des villes. Je crois que là... Oh, putain. Putain, quoi. Ça sert à quoi, ça? Je sais même pas à quoi ça sert. Je suis mal barré là quand même.
Soyons honnêtes avec nous-mêmes, je suis mal barré. Je vais retourner au shop pour essayer de récupérer un cœur rouge. Ah. Putain ! Putain ! Ok. Plus de soul heart. Ouais, je vais garder ça. Super. Cette partie s'annonce trop bien. Pour avoir du fromage, et ça sert à quoi d'avoir du fromage? Putain, je vois pas mes cœurs. Je suis tellement mal barré. Amnésia, mais je voyais déjà plus rien. Oh là 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 là. Donc là, non seulement je connais pas la map, mais en plus, je connais pas mes cœurs. Enfin, en l'occurrence, je sais qu'il m'en reste un demi. Donc là, j'en ai un entier. On va pas se faire la course pour une fois parce qu'on n'a pas envie de rigoler. Ok, donc là j'ai un cœur entier. Salut e-robot, merci à toi pour le follow. Bienvenue. Ah ouais, bien sûr, je peux pas tirer assez loin. E-robot, merci à toi. Elle remarque que le charme est plutôt pas mal. Hein. Le charme est quand même pas si mal. Explosive tears, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça m'avait sauvé de pas mal de situations. Faut juste que je fasse gaffe à pas me tirer dessus, moi. J'avais bien aimé la fois où j'en avais pris. J'avais peur au début, mais finalement, ça permet un peu de bomber à l'arrache. Pourquoi pas. Ah mais oui, attends. Je peux toujours me healer ou pas? Mais oui. Putain, mais oui, j'avais oublié. Ah oui, mais sauf que j'ai que 3 slots. Donc c'est pas non plus ouf, quoi. Eh oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais le heal... Je suis pas invincible pour autant. Hein. Parce que de toute façon, j'avais que 3 slots. Bon, je préférerais avoir des slots. Mais... Alors... Ça c'est quoi? Attends, j'ai pas vu, ça servait à quoi? Reduce Devil Deal, Price. Salut à Crépusculaire, merci à toi pour le follow. Voilà. Alors. Choco, qui ça? Mademoiselle Choco? Non, je crois pas qu'elle soit... Elle est passée tout à l'heure, mais je crois pas qu'elle soit là. Il y a pas mal cette musique, j'aime bien. Reduce le prix... Le prix des Devil Deal. Bah là, c'est vrai que je peux bourrer les salles avec une certaine violence. Hein. Et puis, vu que j'ai pas la map, je serais tenté de dire bon, bah, je suis mal barré, mais sauf qu'en fait. Mais pourquoi je suis pas allé? Non, mais c'est n'importe quoi. Attends. Cette histoire est complètement absurde. Merci à toi, All Mimic, pardon. Merci à toi pour le follow. Bienvenue à toi. Une petite clé et des petites pièces. Ouais, donc finalement les larmes explosives avec le item que j'avais, c'était plutôt bon plan quoi. Niveau de la map, j'en suis où là par contre? C'est quoi ça? Attends, j'ai pas eu le temps de lire. Ça c'est quoi? Amnésia? Bah non, bah ça me sert à rien. Et ça? Invincibilité plus contact damage. Il vaut mieux une death. Ah, je sais pas.
Ah, j'ai ouvert une secret room. Ah ouais? Je veux dire que j'ai réussi à ne pas m'en rendre compte. Ah bah tiens. Je pense que là j'ai la super secrète du coup, c'est ça? Ouais, mais ça ne sert pas à grand chose. Ok. Alors c'était dans la grande salle, tu dis? Attends, allons-y tout de go. Death est plus puissant à la fin. Ah ouais? Je te crois. Moi je suis comme ça, hein, je crois le chat. Je suis pas comme ces streamers là qui lisent pas le chat dès qu'ils ont plus de 100 viewers. C'était où dans la grande salle? Ah mais oui, pourquoi je l'ai pas vu? Quelle connerie la guerre. Mais amnésia, mais pourquoi j'ai que des amnésias? Mais c'est incroyable ça. Est-ce que j'avais tout checké à gauche? Je suis pas sûr. Waouh waouh waouh. Ah bah oui, je suis arrivée par là. Je te lis pas? Death, c'est plus puissant à la fin. Ah non! C'est plus assez! Je croyais que tu disais c'est plus puissant. En fait, tu disais plus. Ah non, mais c'est ça. Ça, c'est les difficultés de compréhension d'un peuple. Eh bah, c'est pas grave. Eh bah, écoute, je te propose un compromis. On va utiliser Death sur ce boss. Voilà. Voilà, parfait. Et voilà. Comme ça, Devil Deal, 100%. On prend ça, ça passe. Salut Seiya, bienvenue. Ah, c'est pas de la dyslexie, hein. Là, c'est de l'incompréhension d'un peuple. Hein. Quel enfoiré. Oh non, le brimstone. Oh non, ça me saoule. Non, je préfère mes trucs explosifs, sachant que là, la combinaison avec mon invincibilité est plutôt bonne. Ah, je préfère me barrer, en fait. Hein. Je pense que là... je pense que là, ça le fait pas. Hein. Non, je pense qu'il vaut mieux se barrer, et puis on verra mieux. Ouais, mais les one-shots de mom, c'est pas... C'est trop simple, tu vois. Non, non. Alors, attends. Pilule identifiée. De toute façon, ça peut pas être... Ça peut pas être amnésia. Amnésia, j'en ai trouvé. Ah putain, un petit speed up, ça c'est bien. Let's keep the cat. Non mais en vrai, là, tu me filerais méga Satan, y'aurait pas de soucis. De toute façon, je préfère ne pas voir la map de l'étage qu'on a fait plutôt que pas voir la map de l'étage. Parce que là, entre le Guppy et ça... Enfin là, on est bien quand même. Ce qu'il faudrait, ça serait que je chope des nouveaux slots. Attends, je suis à combien? Le DPS, il est à 47,74. Chaque mouche fait environ 70 de dégâts. J'avais pas vu que mon DPS était à ce point-là. C'est ouf, ça. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bon. We love a random trinket on the ground. Trinket, c'est quoi? C'est un familier? Non. Non, c'est du matos. Spacebar item to activate twice when used. Ah, la batterie, moi, je suis pour prendre la batterie, parce que là, avec mes mouches... Ah, mais j'ai pas assez de sous. Oh, sapristi. Attendez. Bon, je vais essayer de trouver plus de sous. Je reviendrai. Ok. Je prends. Fallait donner des cœurs et te heal. Bah non, ça aurait été complètement con. Pourquoi donner mes cœurs? J'en avais que 3. T'aurais eu des sous. Ouais, mais j'aurais pas eu...
quand on donne des heals comme ça, on perd juste le cœur? Ou on perd le slot? Parce que si j'ai pas de slot, ça sert à rien de me soigner, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait été du génie. Ouais, mais moi, je suis pas du genre génie, moi, tu sais. Moi, je suis plutôt du genre e-girl vulgaire. Ah, c'était juste le cœur qu'on perdait. Moi, j'utilise jamais ce truc. Oh, c'est pas grave. Je pense qu'on en retrouvera plus tard. Vous inquiétez pas, a priori, on devrait finir le jeu quand même. Sinon, c'est qu'on est vraiment des connards. Là, il y a une mouche dorée, donc... Oh, j'allais dire un peu de sous, mais en fait, absolument pas. Non, mais je saurai pour la prochaine fois, c'est pas... De toute façon, c'est la deuxième fois de ma vie, en 30 heures, enfin, en 40 heures de jeu, c'est la deuxième fois de ma vie que j'ai cette configuration. Donc ça va le faire, c'est bon, vous inquiétez pas. C'est plus 1 to all stat while holding a fully charged. Hein? En laissant ça, du coup. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais non, c'est complètement con. C'est complètement con parce que moi, dès que l'item est activable, moi je l'active. Ah tiens, on regarde une salle d'arcade. Si ça se trouve, je vais retrouver mon truc dedans. Perlouse de Mama. T'as tellement besoin, je sais même pas de quoi vous parlez. Ah. Et lui, du coup, ça peut marcher, non? Il va me donner des sous, lui, non? C'est pas ça? Pas des sous, mais un objet démoniaque. Spawn one pill. Ouais, mais laquelle? Le truc, c'est que je sais pas laquelle c'est, moi. Oh, ouais, elle sub. Ok. Et du coup... Ah... Ouais, effectivement. Je filme Cowen ou pas? Bah non, pas du tout, ça serait complètement con. Lui, il veut des bombes. Je peux peut-être tenter. Combien il lui en faut? 4. 4 et je récupère 2 bombes. C'est bon, je m'arrête là. Je décide de me foutre de la gueule de ce casino. Alors. Quand c'est utilisé, ça spawn 3 random cards. Pourquoi pas, écoute, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Donation et tout. Oh là là, encore des gens qui veulent de l'argent. C'est fou, ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ces gens là, qui veulent mon argent? Quoi? Ah, j'en ai marre. En ce moment, je me fais embrouiller dans tous les sens.
qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai une gueule à gagner ma vie? Non, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que tu vois, les gens, ils me contactent pour me proposer des trucs du genre « Oui, on a vu ce que vous faites et vraiment, on aime beaucoup ce que vous faites. Non, vraiment, alors tenez, on vous offre nos services de site web de façon à utiliser un service que vous n'utiliserez jamais. Et du coup, on récupère la moitié de votre salaire. » Mais quel salaire ces mecs pensent que j'ai, quoi? Mais c'est ça qui est fou, quoi. C'est... Oh là là, c'est incroyable quoi. On vit dans un monde incroyable quoi. Entre ça et se faire voler son argent au sein de sa propre banque, c'est sérieux, je sais pas si c'est moi qui ai un mauvais karma ou quoi. Je sais pas en fait. OK. Ouais, bon ça c'est un jeu indé. OK, d'accord, ça pourquoi pas un jeu indé, voilà qui veut faire sa promo. Ça d'accord. Mais les networks à la con, mais ça existe même pas. Non. Qui y croit Bernier, quoi? Et comment ils ont eu mon mail? Ah oui, non, c'est mon mail public, celui-là. Ah, on développe un item qui va permettre à votre audience Twitch de grandir, et ça permettra à vos gens de vous donner de l'argent. C'est bien mieux que PayPal. Quand tu mets dans ton mail que t'as inventé un système qui est mieux que PayPal, c'est que déjà, t'as une paire de couilles... mais qui fait la taille de, je sais pas, un ballon de foot, hein, pour rester dans la Coupe du Monde, quoi. C'est tellement prétentieux, quoi. Putain. Mais de quel pays ils sont, ces gens? Je sais même pas de quel pays ils sont. Et plein de liens hypertexte. Allez, vas-y, clique sur nos liens hypertexte qu'on puisse te traquer. Allez, ça dégage. Pof, spam direct. Allez, c'est bon, quoi. Ah, putain. En ce moment, je passe mon temps à me faire embrouiller dans tous les sens, quoi. Je te jure. Alors, revenons. C'est pour tout le monde pareil. Oui, non, mais je sais bien, Mr. Bernier, mais c'est vrai que... C'est vrai que, il y a quelques mois encore, j'avais pas autant de spam. Mais ça, c'est pas du spam à proprement parler. C'est-à-dire que tout le monde ne reçoit pas ce genre de truc. Ça, c'est des trucs du genre... Ça, c'est des gens, tu sais, qui sont intéressés par ton activité... sur internet, tu vois. Et qui du coup... voilà, veulent ton argent, quoi. Putain, bah le shop, ça a pas été long. Les crânes, je peux pas les bomber, si... La puissance est présente quand même là. Hein. Je me demande s'il n'y a pas. Attends. Qu'est-ce que c'est? Le gros qui court. Salut à toi. Merci pour le host, le gros qui court. C'est un sacré pseudo. Merci pour ton host de 13 viewers, ça fait plaisir. Merci à toi, le gros qui court. Ça, c'est quand même un drôle de pseudo. À quoi tu joues, toi, le gros qui court? Spawn 6 troll bomb every time you get it. Non, mais c'est complètement con comme item. Quel intérêt dans ma vie je pourrais avoir à prendre ça? Tu peux prendre la Curse of the Tower? Mais c'est quoi la Curse of the Tower? C'est le nom de cet item, là? Attends. On se casse. Ah, mais je suis... Attends, ouais, mais je suis immunisé à mes propres bombes. Est-ce que je suis aussi immunisé au troll bomb? C'est plus un concept qu'un pseudo, d'accord. Tu joues à WoW, LOL et Fortnite. Ouais, c'est pas des jeux que je fais, ça. Bon, bah, sois le bienvenu, écoute. Je serai heal par mes explosions. Bah ouais, ouais, bah oui, c'est ça, en fait. Ouais, donc là, ça va être totalement pété. Hein. Explosion, tu heal, ouais. Ah oui, c'est toutes les explosions. Je pensais que c'était que mes explosions. Mais vous le savez, je suis très naïve. Alors, attends. Ah bah, voilà. Très bien. Un combat qui a été vite torché.
Ok. Je tente la course ou pas? Ah! Sachant que si je prends la course, j'augmente mon pourcentage d'avoir le Devil Deal. Concrètement, ah, moi, je serais tenté de tenter quand même. Hein. Ah, ça augmente rien? Pourtant, une fois en repassant. Bon, allez, vas-y, on se fait plaisir. Oh merde! Fallait que je lui. J'aurais pas dû bomber. Alors, qu'est-ce qu'il a? Chance to spawn spider while in hosting room. Bah, ok. Ah oui, mais du coup, je laisse mon drop soul. Le soul eater. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux prendre selon vous? Le pied de môme et le pied de Satan sont considérés comme des explosions? Sérieux? Sérieux? Putain. Ouais, ouais, je me mets à Isaac depuis un peu moins d'un mois, en fait. Et bureau basse, ouais. Je sais pas... Bon, le coup de la spider, pourquoi pas, mais je suis déjà surpuissante, là. Ah, les deux sont bien, ouais. Bah, sachant que je peux me re-heal avec mes bombes, moi, je serais d'avis pour garder ce que j'ai, en fait. Hein. Et en plus de ça, en me faisant toucher, donc il y aura 6 troll bombes, plus araignée, plus le guppy. Ouais, vas-y, on tente ça. Ça, c'était quoi? C'était... Ça, c'était la normale. Alors, attends, parce que... Où est-ce qu'elle est censée être, là? Attends, on va aller au boss. On va aller au boss... Ah si, si, là, il y a la secrète et la super secrète, donc c'est bon. Si, si, comme on dit dans le jargon, on se casse. Voilà, merci à tous. C'était Môme. Oh bah, avec le dégât que faisaient les mouches... Léviathan, bah ouais, je prends, forcément. Et puis la Devil. Ah oui, la batterie, je peux aller l'acheter, tiens. Ok. iPhone Pills, ok. Un petit health up, ok. Je reprends ça. Ah, mais non, je peux plus retourner chercher la batterie. Ah, dommage, 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 dommage. Bon, bah, on se casse, hein. On se casse. Qui sait, peut-être que je la retrouverai plus tard. J'ai une chance sur quoi? 850? Ça va, ça va. Alors. Bon, là, on est d'accord pour dire qu'on va tout péter, hein. On va pas s'emmerder à chercher des rochers cachés ou quoi. Ok. Stuff abusé aujourd'hui pour la joueuse suédo-bretonne. Bon, de toute façon, j'ai 7 keys. Si je prends ça, ça me laisse le... Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Moi, je préfère garder ça. Je pense que je vais essayer de bomber tous les murs. Trop tard, tu peux pas revenir en arrière à moins que tu utilises ta carte. Et que tout. Ah ouais, ouais, non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Ok. Mais le bombe sur. La bombe sur le coffre, ça fait quoi? Ah non, ça fait rien. Ah! Ne serait-ce pas une secrète? Putain, la quantité de coffres qu'on trouve, c'est ouf, quoi. Full health, ok.
je peux pas le bomber lui? Ah non. Ok. Comment je te ruine ton level design? Pouah, 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 pouah. Ah putain, on peut tellement bourrer. Oh non, l'amnésia, c'est bon. À ce niveau, les rochers en explosant peuvent libérer des larmes. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'avais un peu zappé ça, tu vois. Oh, j'ai même pas fait la commande shootoute pour le gros qui court. Point d'exclamation. Shootoute. Le coco. Ah, voilà. C'est incroyable, il y a tellement de fonctionnalités maintenant sur mon stream. Je suis presque en train de devenir streameuse professionnelle. Et la super secrète! La super secrète! Peut-être qu'il faut d'abord que j'aille voir le shop. Attendez, voyons ce que le shop a à m'offrir. Bah non, de toute façon, je peux bourrer les coins. Là, mais genre là, je peux bourrer les coins pour aller à l'infini, quoi. Ah ouais, mais du coup, les trolls bombes m'ont fait péter le truc. Portal plus... Ouais, mais ça me sert à rien, ça. Ah mais ouais, il n'y a plus de shop. Oh là là, je vais finir le jeu en étant blindé et ça me servira à rien. Je te jure quoi, quelle vie. Quelle vie les amis quoi. Une vie gâchée, une vie perdue. J'étais sur le point de l'activer ce truc. Complètement con comme idée. Des fois je me déteste. Ah ah ah. Faire attention à eux quand même. Est-ce que je tente la cure ça? Ah, si je le fais, c'est juste pour déconner, qu'on soit d'accord. Hein. Salut Yogip, bienvenue. Je tente la cure ça. La cure c'est quoi? C'est cœur rouge ou ça va taper dans mon cœur bleu? La pilule amnésia, c'est le jus de pomme minéral. Ouais, je sais pas, mais... Ça va taper dans le cœur bleu, ouais, c'est pour ça. Hein. D'un autre côté, je suis quasi invincible. Oh, écoutez, la vie est faite du challenge. Hein. Alors... Spawn slot fortune. Dupliquer de surmonnaie. Bah pff, ouais, franchement ça sert à rien quoi. Voilà. Slot machine. Bah si, remarque. On sait jamais, peut-être que je peux toper des trucs. Vu que j'ai plein de sous. Je suis quand même Kane. Et j'ai trouvé un dollar. Ah bah putain, ça me fait une belle jambe. Hein. Bon, et tant qu'on est là, on va se faire toutes les salles qu'on n'a pas faites. Ah merde, j'ai oublié le tirage au sort. Ah merde, c'est pas très corpo. Bah bon, on le fait dès que c'est fini. Je finis mon run et on fait le tirage. Qu'est-ce que vous en pensez d'un point de vue corporalité? Ça le fait ou pas? C'est limite limite, hein, quand même. Manque plus qu'un pay to win? Comment ça?
Tu veux dire un item? Oh putain! Ouais, ok. Oh, merci pour le sub, Yogip. 5 mois de sub. Merci à toi. Ok. Tout un tas de sous qui ne me servent à rien. C'est quoi, c'est une salle de défi, ça? C'est une salle de défi sans défi. Putain, je l'avais encore jamais eue, celle-là. Vous y croyez, ça? Putain, mais... C'est une salle de défi sans défi. C'est cool. Ah si, c'est dès qu'on prend. Ah d'accord. Ah oh, ouais, je trouvais ça chelou aussi. Ah voilà, là on parle. Là on parle. Voilà. Morcard. c'est... Ouais, mais non. Troll bombe, un cœur gris. Mon papa à moi est un gangster. Il a tellement d'argent qu'il sait pas quoi en faire. Change to spawn a hell up when item get destroyed afterwards. Quoi? Change to spawn a health up item when getting it. Ok. Mais sauf que ça, je m'en fous. Get destroyed afterwards. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as utilisé une fois, il explose. C'est ça le délire? Salut Rushaka. Non, ça va, écoute, pas trop pété, voilà. J'attends de finir la cathédrale, bien sûr. Il est venu le temps. Ministère amer? Ouais, bien sûr. Je sais pas, moi je suis pas hyper hype hein, pour cet item. Qu'en pensez-vous? Bon, pas de réponse dans le chat, on se casse. C'est bon. Salut Colonel Kircher. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Pour tenter la méga Satan. Sacrifice room dans la cathédrale. Ouais, mais il faut avoir 7 cœurs. J'ai jamais 7 cœurs. Salut T412. Alors, c'est qui? Oh merde! Bon bah voilà. Hein. Tant pis. Oh! Plus 50% de damage multiplicateur! Pop, 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 pop. C'est ce qu'on appelle un Magic Mushroom. J'arrive à 74 de DPS. ok. Très bien. Oh, le run pété, quoi. Ce qu'il faudrait, ça me serait plus de... La chance de proc un HP up en te faisant toucher... Ouais. Alors, tiens. Ah. Ah. Alors... Très bien, on va bourrer la machine. Ok. Ok. Très bien. Ok. Oh putain, elle a envie de se faire bourrer cette machine, hein. Très intéressant comme stream. Surtout les enfants, ne jouez jamais au casino. Sachez que les casinos n'ont pour but que de ramasser votre argent. Vous ne gagnerez jamais autant d'argent que ce que vous voyez en ce moment dans la vraie vie. C'est impossible. C'est impossible.
ridicule. Voilà, bien sûr, j'en profite hein, pour remercier mes partenaires. Vanda, Logitech, hein, Intel. Ah, ça y est, ça y est. Plus 99 coins. Ce troll infini, mais j'hallucine, quoi. Amnesia, sûrement pas. Hop, voilà. Ah, mais ceci dit, celle-là, je les connais pas. C'est quoi? Infested. Et du coup, ça aussi. Double infested. Putain, 2$ en un run. Bon, j'ai envie de le bomber, ce connard. Tu veux pas te bomber, toi? C'est fou, ça. Ah, bah voilà. Très bien. Allons voir plus loin si on y est. Ce run commence plutôt bien. Oh merde! Ok, parfait. J'ai rien compris. On se casse. Oh ouais, ok, alors attends. Alors là, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire avoir. Mais merde! Oh putain! Mais quel bordel! Merci Falmdra pour le sub. Encore plus de temps à venir. Quoi? Et encore plus de temps à venir? Ah, de quoi tu parles? Il y avait l'objet en question avant de bomber le mendiant. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Elle allait peut-être avoir Skatol. Je sais pas ce que ça veut dire. Merci à toi Falmdra en tout cas, hein, ça fait vraiment plaisir, écoute. Oh merde! Faut que j'arrête de bomber tout le monde, hein. Ça fait 5 mois que tu sub. Ah bah écoute. Avec plaisir, hein. Longueur statut effect. Ouais, mais si je prends ça... Ah ouais, je l'ai mon truc. Ouais, on se casse. Mais quel bordel! Alors, très bien. Barrons-nous. Tu as pyromaniaque. Oh, tu sais, j'ai beaucoup de choses. Hein. J'ai surtout beaucoup d'amour. Hein. Après, voilà, je peux pas te garantir, quoi. Il y a un objet nommé Skatol que seul le gitan dans la salle d'arcade peut te donner. Et juste avant qu'on le bombe, on l'a vu apparaître sous les crânes. Et ça sert à quoi, comme truc? Alors, voilà. Très bien. Salut à tous. Voilà. Judgment, ça sert à quoi? Je sais pas. Bon, ça. Est-ce que c'est potentiellement un des stuffs les plus craqués que j'ai jamais eu dans un run d'Isaac? Du haut de mes 40 heures de jeu? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Tears have chance to drop pennies on the floor. Upon success rate of the... Ouais, bah ouais, moi je prends. Pourquoi pas, hein, soyons tolérants. Vous savez, la tolérance, hein, j'ai toujours prôné pour. Même dans l'adversité, quand c'était pas toujours facile. Voilà. Alors attends, là il y a des embrouilles, Ne commettons pas de problème. Spawn the Beggar. Ah! Ça peut être pas mal, ça. Full health. Ça me sert à rien. Amnesia. Full health. On spawn un bégard? Alors, attendez. Comment ça marche? Judgment? Ok, donc on va faire apparaître le mec. Judgment. Voilà. Et on va peut-être utiliser nos 99 boules pour les lui donner. Il est pas pressé. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Un health up. Ok, pourquoi pas? Ouais.
Phone Gaz. Ok. Scatol, c'est toutes les mouches sont mes potes. Ah, mais j'en ai vu un plus tôt dans ce jeu. Enfin, je veux dire, aujourd'hui. On en a déjà vu un passé. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est très utile. Pff, de toute façon, arriver dans l'utérus, il n'y a plus beaucoup de mouches. Hein. Cette phrase est curieuse quand même. Bad Gaz. Full Health. Et ça, c'est quoi? Bon, on se casse. Ouais, ok. Ok. Bah mais ça me sert à rien vu qu'elle est pétée. Ah, et attends. Je peux pas le bomber, lui. Non. Oh putain. Ça me fait rire, mais j'ai perdu mon cœur gris. Alors c'est pas si drôle, hein. Vous devriez pas vous moquer des gens qui ont des problèmes mentaux. Hein. Ah, ok. Mais putain, c'est la foire à la saucisse, mais j'hallucine quoi. Bonjour Darskolette. Alors très bien, je vous propose de parler de mes partenaires le temps que nous soyons en train de jouer, car quand je reviendrai, eh bien c'est une salle maculée matos que vous verrez, vous allez halluciner, parce que même ce que je vois à l'écran, je connais pas le jeu, mais croyez-moi, c'est assez vénère. Très bien. Alors, revenons à nos moutons. Voilà donc ce qu'on a dans cette salle. Alors, ça on prend. Ça on prend. Ça on prend. Et ça on prend. Voilà, donc je suis full health, s'il n'y a pas de souci. Des red cœurs, je m'en fous. Ça, je prends. Voilà. Ça, c'était quoi? Ancient Recall, non. Teleport to the item room. Higher Angel Room Chance. Ouais. Ça, je prends. Le crâne, c'est quoi? When damage down to half a heart, teleport to the... Ouais, non, ça, c'est ghetto. Teleport to the item room, ouais. Mom's foot, bof. Ah, le health up, c'était que pour une salle. Oh, mais pourquoi le jeu ne précise pas? C'est incroyable, ça. Plus de damage pour la cour... Ouais, c'est vrai que niveau damage, je suis un peu just, hein. 74,53. Oh, putain. Ouais, c'est vrai que je suis un peu just, hein. Donc, bon, peut-être que... Faut pas prendre de devil pour les avoir. Ah, d'accord. Ancien tricol, tu peux y aller. Ça fait spawn 3 autres cartes. Ok, d'accord. Donc, comme ça. Eh bah, du coup... Eh bah, je vais réutiliser... Attends, je vais peut-être utiliser celle-ci. Et celle-ci, je l'utiliserai contre le boss. J'ai juste pas tout lu. Ah ouais, ouais, bah c'est ça, ouais. C'est les problèmes d'attention, hein. Ça m'arrive beaucoup. Hein. Donc les Angel Room, on s'en fout, je reprends les araignées qui vont spawn. C'est totalement pété, hein. Plus de damage, est-ce qu'on dit qu'on s'en fout? Je sais pas. Bon, je me casse. Attends, parce que là, il y a une salle qu'on n'a pas fait. Voilà. Et la secrète qui est là, mais on l'a déjà faite tout à l'heure. Est-ce qu'on a tout fait à cet étage? Non, on n'a pas encore tout fait, regardez. C'était très intéressant. Oh, putain. J'ai tellement de cœur gris que je peux même plus en prendre. Oh bah du coup, on se fait la cure, ça. Attends, et au stade où on en est, c'est bon, on n'est pas là pour se faire engueuler, quoi. En même temps, journée de merde, c'est pas mal. Quoi? Ah ok. Allez, vas-y, curse. Oh, je pense qu'elle va être très bien cette curse. Ouais, super. Ok, bon, j'aurais pas dû, mais on retrouve notre cœur. Bon, j'ai perdu deux cœurs, mais c'est pas grave. Oh,
Enfin, là, on est sur de la fatitude quand même. Go boss, hein. Allez. Faudrait me dire ce qu'il faut faire une fois que le boss est battu, par contre. Hein. Alors, Mom's Heart, hein, très connu dans le milieu. Voilà, c'est fait. Je crois que c'est le Mom's Heart le plus rapide que j'ai jamais fait de toute ma vie, quoi. Sans blaguer, ça a duré quoi, une seconde? J'ai eu le temps d'envoyer une boulette. S'il n'y a pas de sacrifice room, c'est terminé. Bah, je sais pas. Elles sont où les sacrifices room? Ah non, je crois pas qu'il y en... Ah si, c'est le crâne qui a tout en haut à gauche, non? J'ai pas encore débloqué la suite. Ah ouais, dommage. Ouais, c'est ce qu'on appelle un one-shot, hein. Concrètement, Sacrifice Room, c'est quoi? C'était ça, non? Ah non, rien à voir. Il y a une salle que j'ai pas visitée, ah ouais? La salle tout à gauche. Ah bah ouais, c'était ça, quoi. C'est pas une sacrifice, ça. Bon, allez, je peux bomber ça, quoi. En bas, à droite. Ah, oui, exact. Effectivement. Ouais, effectivement, il y a assez peu de chances que ce soit la salle recherchée. Oh, merde. J'ai tellement tout cassé. Non, c'est une salle de type... Oh! Pop, 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 pop! Ah mais non, mais ça c'est un... C'est un truc qui permet de redescendre et de remonter, c'est ça? Oh! Ah bah alors attends, parce que là on me propose de redescendre. Mais qu'est-ce que c'est que ce run? Qu'est-ce que c'est que ce run que je suis en train de faire? Attends, mais il y a trop de trucs, là. J'ai l'impression que c'est le type de salle qu'il y a quand on joue en grid. You can hold... Prends rien et go. Ah ouais? Et le BFF, non? Ah, mais j'ai pas de familier. Deal more damage. Franchement, j'ai déjà une telle puissance de frappe. Enfin, je veux dire, Mom's Heart, j'ai fait un one-shot, quoi. Qu'est-ce que je fais, alors? Ah, ce funk est trop bien, mais ça va couper la VOD. Bon, c'est pas grave. BFF, je prends ou pas? Spawn une carte. Ce run, tu peux le mettre sur YouTube? Ah bah, je pense, oui. Attends, attends, je switch la musique parce que je vais avoir des problèmes. Ok. Descends et pète Satan et cherche la sacrifice. Eh oui, mais non, mais attends, regarde. Ce que je peux faire, c'est ça. Toc. Parce que ça me coûte... Un... Ah non, mais merde, ça m'a consumé un cœur... C'était marqué cœur rouge. Oh là là, bon, on se casse, on se casse, on se casse. C'est bon, je récupère mon cœur. Sauf que ça a même pas marché, quoi. Bon, on se casse. Donc là, c'est quoi? You unlocked? What? The Blue Womb? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une salle classique, ça, en fait. Ah ouais, d'accord. Waouh, 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 waouh! Quelle bande d'enfoirés! Mais il s'arrête de tirer à un moment ou pas? Ah oui, non, d'accord, le concept, c'est qu'il s'arrête jamais de tirer. Ok, super. Encore fallait-il le savoir. Speed up, il va faire du bien. Par là où il va passer. Donc là, en gros, il faut que j'essaie de pas trop perdre de cœur et trouver une sacrifice room. C'est ça le délire. Donc là, je me mets là. Ok. Et on se casse. Ah ouais, mais c'est chaud, quoi. C'est super chaud de pas perdre de cœur, quoi. Salut, Sneak. Ça faisait un bail que t'étais pas passé la dernière fois, ça devait être sur un raid de MV.
Ah bah alors attends, parce que est-ce que c'était le raid de MV d'il y a un mois à peu près, où le chat m'a lourdement insisté pour que j'essaye Isaac? Que si c'était ce raid là, sache que depuis, j'ai pas lâché Isaac. Eh ben non, je vais pas passer par là. Qu'est-ce que c'est que ces villes brigands là? T'as une vie limitée. Ouais, mais la sacrifice. Je pourrais me re-heal à chaque fois entre deux ou pas? C'est ça le truc. Attends. Je vais tenter voir s'il n'y a pas des petites salles secrètes. Ah putain, c'est des musiques de connard ça. Attends. Laisse-moi changer de son. Mais qu'est-ce que c'est que ces sons là? Attends, on va mettre un truc cool. C'est cool ça ou pas? Bon, on va dire que c'est cool. Attends, je sais, on va remettre la musique avec laquelle on a commencé ce run. Voilà. Là, on va se mettre bien. Ils ont même pas le temps de me toucher. J'ai presque honte pour eux, tu vois. Oh là là. Ah. Ok, on se casse. Oh mais merde. Quel petit con, j'hallucine. Donc là, en fait, mes mouches, elles font 74 de dégâts également. Heureusement qu'ici, on n'écoute pas du Cindy Cendrillon. Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en écoute pas, mais il y a très longtemps, j'ai eu ma période, on va dire. C'est ce que je disais sur le chat de MV au jour, c'est que tu sais que Cindy Cendrillon et particulièrement la chanson qui s'appelle Ecstasy. Oh putain. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai quand même fait, il y a une dizaine d'années, facile, j'ai quand même bossé sur un remix art tech de cette piste, quoi. Faut pas le dire. Chance to shoot Sticky Poison Tears. Sticky Poison Tears, c'est bien ça ou pas? Non, je l'ai pas sur cet ordinateur. C'est bien? Allez. Donc ça veut dire que là, j'ai les charms et les sticky poison. J'ai l'impression que c'est que des sticky poison. Ok, on se casse. Alors là, il y a le boss. Alors le chiffre 3, c'est quoi déjà? C'est l'entube en tous les cas, je crois. Il me semble. Spawn a Blood Donation Machine. Eh ben pourquoi? Ah, mais oui, mais non. Parce que je vais lui donner un cœur. Et je vais tout de suite avoir... ça va être la base. Je vais tout de suite avoir... comment dire... je vais tout de suite mettre les bombes. Ouais, c'est Céleste, ouais. C'est la triple musique qu'il y a sur l'hôtel, le niveau 3. Qui est vraiment une de mes musiques préférées de ces dernières années en termes de son jeu vidéo. Je pense pas qu'il y ait de sacrifice room, hein, parce que ça c'est le défi. Pas qu'il y ait de... C'est dommage, hein. Ah, attends. Cette salle était pas indiquée à la base. Mais peut-être que j'ai pas fait assez de fois le jeu pour les débloquer, non? C'est pas ça? Bah écoutez, là, j'ai vraiment fait toute la salle. J'ai fait tout l'étage, plus les deux secrètes.
Et y a pas quoi. Y a pas de super secrète. Ah non, attends, là c'est la base. Là il y avait rien en haut. Bon bah du coup là on se fait Satan et puis on se casse. Hein. On se fait Satan et on se casse. Hein. Si, tu en croises régulièrement plein, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Mais en fait, c'est pas forcément la sacrifice room du dernier étage qu'il faut se faire, c'est ça? C'est déjà bien d'avoir trouvé le black market, ouais. Bah ouais, carrément. Ouais. Reroll all pickups of the entire floor. Ouais, mais ça me sert à rien, ça, Antoine. Bon, bah allez, hein, Satan. A priori, ça devrait aller, je pense. Oh merde! Bon, pourquoi j'avais pas cette force-là quand je suis arrivée à la cathédrale l'autre jour? On est d'accord pour se dire qu'on se casse? Sans regret? Après 1h21 de run! C'est beaucoup trop long. À cause de moi, t'as de nouveau du Pattern G dans ta playlist. Ah oui, c'est sympa ça. Bon, sans regret. Hein. Bah écoutez, c'était vraiment... C'était quand même... C'était assez exceptionnel hein, comme run. D'un point de vue puissance de frappe... Mais la cathédrale, ça aurait été même pas drôle, quoi, en fait. Hein. Tellement je lui aurais éclaté la gueule. Bon. Tu viens d'apporter la démocratie à l'américaine, on va dire. Comment ça? Ah, j'ai débloqué un nouveau perso. Bon, on peut se tester ça vite fait. Attendez, j'arrive. J'allais dire oui, donc re-bonjour, excusez-moi. Donc oui, j'ai déjà fait des défis, je sais plus lesquels, je vais te les montrer après. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est à bientôt YouTube. Merci d'avoir regardé cette VOD au stuff complètement pété. Et les gens sur Twitch, on reste en ligne, bien sûr. Mais oui.